Salut. Salut et bienvenue dans mon bureau. En fait, c'est dans le salon, mais c'est là que je prépare tous les films, c'est là que je fais mon boulot, c'est là qu'il y a l'ordinateur de la maison et c'est là qu'on fait tout. Moi, je passe un temps fou à ce bureau et j'en ai marre de le voir complètement pris par du bazar. Bon, c'est à moi de ranger, mais je vais m'aider avec ce rangement dans le sens où l'ampli qui est là, les disques durs, ils vont passer sous le bureau. Allez, en avant. Alors, je vais en profiter aussi pour faire une finition. Parce que ce bureau, je l'utilise pas mal à l'heure de midi pour manger, devant soit du YouTube, soit des montages que je suis en train de faire. Et donc, ben voilà, c'est un peu crado. Là, c'est une finition à l'huile de tung qui est très jolie, mais qui reste un peu collante, presque collante, et ce qui fait qu'elle s'encrasse vraiment beaucoup. Et de l'autre côté du bureau, là, de l'autre côté du bureau, on a l'ampli qui est dans une boîte en châtaignier que je vais utiliser pour mettre à l'envers sous le bureau et juste poser l'ampli à l'intérieur. Voilà, puis à l'arrière du bureau, on a toute cette filasse que je veux voir disparaître attachée sous la traverse centrale du bureau. Et ben bon appétit! Voyez qui sert à tout ce bureau. Et j'en profite pour vous montrer quelques images de Vessel Tony. C'est un usineur amateur américain qui fait des super films. Et je vous mets un petit extrait, je vous mets des liens en dessous pour découvrir ça. C'est génial. Pour fabriquer le deuxième support qui servira à tenir les disques durs, je vais utiliser la technique du folding avec une coupe à 2 x 45 degrés à la défonceuse, sur ce panneau de châtaignier que je viens de préparer. Thank you.
Alors, les deux côtés ont fini par casser. C'est pas grave, j'aurai de toute façon le fil continu. Sur ce bureau, c'est le champ qui est là. À l'origine, ce bureau était prévu pour être installé contre le mur, donc ce champ-là avait peu d'importance, et j'avais pas fait une coupe à 10 degrés, enfin à 90 plus 10, 100 degrés pour le champ joli, quoi. Donc je vais commencer par faire ça, sur cette face-là et sur les deux pieds. Dévier mon trait de scie et ça tombe plus en face, donc il va falloir que je triche un peu. Thank you.
C'est là qu'on voit la différence de finition entre l'huile de tung et le rubio soupçon blanc. Vraiment, c'est une super différence et moi, je préfère largement la nouvelle version. Ça vaut le coup d'être conservateur. Je sais pas d'où ça sort ces petits machins. Ça fait je sais pas combien d'années que je les garde. Et voilà, ça y est. Thank you.
ça y est, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. La finition ne me plaisait pas. L'ampli était caché les papillons là. Et puis il y avait du bazar partout. Alors je sais que le bazar va revenir, mais bon, c'est pas grave. D'ici là, j'aurai quelques jours de à peu près propre, et c'est tant mieux. Allez, à bientôt pour de nouveaux films. Ciao, bonne soirée.